Haïti ak langue française, yon langue ki toujou ap bat ayisyen, ki servi kom zouti diskriminasyon. Pourtant, li se langue officielle peyi a. Mais ki istwa nou ak langue française? Ki sa problème nan yi? An gade. OK, chak pèp sou planèt la utilize zouti sa ki se langue pou communiquer. Gen ki gen yon, gen lot se 2, 3, menm yon dizen gen peyi menm tankou États-Unis ki pa gen langue officielle. Anglais se langue ki plus parlé aux États-Unis. 31 états choisil pou officiel. Men peyi a an swa pa chita sou sa. Nan ka pa Haïti, nou gen ki officiel français et puis créole. Donc théoriquement Haïti c'est un pays bilingue. Ça veut dire qui parle deux langues. Chaque l'autre pays qui bilingue. Pour nous parler créole ak français, ki jan sa vini? An nou wè ça. Mais avant de continuer vidéo, comme m'a parlé de question langue, bam di nou. Gen yon jeune haïtien qui développé yon application langue qui rele langage pour apprendre anglais, espagnol, portugais. Ki en créole, ki facile pour utiliser. Li pa mande anyen pour essayer. Juste aller sur Play Store ou bien sur App Store ou écrire langage ou télécharger et puis ou installer. Li important pour mettre ti langue sous. C'est tout anglais à un moment là. M'a besoin di pour ki ça nous tout gitan sous men nou. Donc, ou ka faire ça avec langage, c'est une application qui gratis pour utiliser. Sou pa remen, ou ka pa utiliser l'encore. Juste aller essayer. On continue avec vidéo a. Donc, pourquoi est-il tombé en bas français à créole ça? Lié à colonisation. Dans l'année 1600, un groupe français qui était porté nos boucaniers, flibustiers, débarqué là sous l'île de la Tortue-Côte. Ils ont été installés. Après, on va venir joindre un accord qui pourrait signer entre l'Espagne qui était en résilé à Namel et avec la France qui pourrait séparer en 10 amis. L'Espagne pourrait prendre parti qui pourrait venir République Dominicaine. Et puis, français pourrait prendre parti ça qui vient République d'Haïti. Donc, c'est raison ça qui fait Dominicain. Nous parlons une forme espagnole et nous-mêmes en Haïti, nous parlons une forme français. Mais nous avons créole tout, nous pas gagné. Raison, nous avons fait une vidéo pour expliquer qui raison qui fait haïtien parler créole et puis dominicain pas parler créole. Nous allons regarder vidéo qui sous channel Will Kitouze. Pour résumer, naissance créole là, elle était liée avec forme esclavage français au Téméthéa. Côté un gros brassage sur parti par nous, côté moun nous avons vite mettre dans l'esclavage, nous sorti dans un pile pays en Afrique avec un pile langue qui était différent. Côté pas comme ça pour espagnol yon nan dominicani esclave qui te besoin communiquer entre yo qui te besoin tout pour communiquer ou mettre la barre comprenant hein? Alors si vous pouvez créer yon outil qui c'est créole là. Donc sous colonien te gen deux langues ça te gen créole là et puis français esclave yo parce que c'est créole le tout te parle et mettre yo à quelque affranchi te parle français mais qu'on y a là besoin instruire esclave là ou bien affranchi ya c'est langue mettre là ou utiliser qui donc français c'est ça que pral faire parce que tout monde sous colonien qui te parle français c'est soit te français ou bien ou instruit qui donc ou te kon li. En 1791, révolte pral commencer qui pral mener une indépendance en 1804. Haïti vivait en 1804 à créole et puis français à tout. Mais depuis petit monde fait, l'anglais fait connaissance à Clia, c'était toujours créole. C'est ça que fait, il y a les langues ça créole là pour haïtien, langue maternelle. Ça veut dire c'est lui ou parler leur fin fait ou même qui haïtien. Pays a fini pour indépendance. Mais là moment arrivé qu'on y a pour écrire document officiel, loi yo, décret yo, acte de naissance, eh bien langue qui gagne règle là-dedans qui bien structuré pour faire là c'était français, même si population a pas de parler. Et même monde qui a écrit yo tout, yo t'allé étudier en France, eh bien toute loi yo, tout décret yo, constitution yo en français et qu'on y a faut qu'on instruise un haïtien, faut gagner l'école dans pays ya. Et bien système éducatif yo pral copier pour instruire un haïtien, c'est le système français, c'est en France professeur tal formé, c'est livre français à utiliser, sauf Christophe qui t'a fait un petit coup sur anglais dans moment t'a dirigé dans noir. Et même premier écrivain yo, premier poète yo, premier romancier, c'est dans langue français yo t'a produit. Si moi premier poète haïtien Antoine Dubré, yon nan poème li yo hymne à la liberté, c'est en français. Lié Emelila, soleil, Dieu de nos ancêtres, au toit de qui la chaleur fait exister tous les êtres, ouvrage du créateur, près de finir ma carrière, que ton auguste clarté éclaire encore ma paupière pour chanter la liberté. Et là, et si nous t'apprenons Oswald Durand, il y a un autre poète haïtien qui lui-même t'a commencé à essayer d'écrire en créole. Libanou choukoun en créole. C'est un créole tête chargée. En gardé, derrière un gros touffe
pingouin. Nous voyons comment écrit yo. L'autre jour, moi rencontré choukoun. Li souri, les li wè mwen. Moi dit ciel à la belle moon. Li dit où trouver sa chair. Là nous na année 1896 yo. Donc sous papier créole en pot kofine kodjom, mais presque dans toute caille, dans toute famille c'est créole k'ap pale. Grande façon pour faire connaissance avec français c'est sous ban l'école ou pralé. Et ça pral créer yon élite. Tout moun ki formé dans système ça qui ta la France caille mettre là k'ap pale français. Donc bien rapide ou pral vinn joindre langue française en tant que c'est un outil pour diviser société a. Moun ki k'ap pale c'est du moun ki important, moun ki a connaissance, moun ki pa pale ta ka di on va utiliser moi. Donc c'est ça qui a commencé à créer depuis la fondation nation ça. Et dans même moment tu gagne deux membres dans élite intellectuelle Haïti a qui t'a bail langue française ça l'orange en 1909. Nous pas venir Nemo Auguste qui va le dire après miracle indépendance ça nous fait. Nous gagne deux outils qui pi parfait. Une c'est langue française pour permettre nous refaire société nous. Langue ça c'est une langue qui pi clair, qui pi parfait, qui pi sous monde là qu'on est. Et nous déjouons Dantès Bellegarde, tout gros bout d'intellectuel haïtien devant l'Éternel, qui te dit si langue française, c'est pas première langue plus moun parler, mais l'y était de loin, langue qui pi cadré avec moun savé dans tout le pays pour gens vocabulaire riche, dans philosophie, dans science, dans médecine, droit, théologie et latrie. Alors, langue ça mérite non, langue civilisation. Et faut que me dis nous tout, depuis 1804, tout ça qui vient rapport avec administration, ou ta dit officiel, a fait en français dans le pays, mais c'est sous l'occupation blanc américain dans la constitution de coup de bois Haïti en 1918. Dans l'article 24, la libre dit langue officielle Haïti c'est français. Et l'enbre arrivé en 1950, bamba nous chiffre. Dans la ville de Port-au-Prince, il y a 142 000 moun environ qui vivent là-dedans. C'était 15 000 ou jeunes qui étaient pratiques parler français la caillou. Et jusque-là, c'est français seulement qui était langue officielle pays. En 1973, nous allons jouer Pradel Pompulsion, linguiste haïtien, qui va déclarer. Nous pas besoin de battre connu là non. Français a pas langue maternelle nous. Langue qui fait partie la vie nous, c'est créole. Ben faut nous pousser. Kounya c'est l'enbre arrivé en 1987, la constitution 1987 là, il pral ajouter créole côte à côte à français comme langue officielle. Nous gens société haïtienne dans braquer, il y a un linguiste qui est les gens Sikari. Regardez de situation qui semblait à pas Haïti a, il vini avec un terme pour décrire qui est les diglossie. C'est côté dans un pays, il y a deux langues et puis il y a qui participait dans fait un groupe monde qui parlait la supérieur par rapport à l'autre là pas capable de bien et une bajoune tout l'autre expert qui travaille dans question langue yo pral faire connait pour un pile pays question parler deux langues ça li kon symbolique symbolique là veut dire li pas rentrer dans vie réelle là vraiment parce que vie réelle là pas uniquement sous papier tant que gens ou joine li sous billet banque loyo dans enseignement dans la justice dans tribunal yo dit au pays qui appliquait deux langues ça de façon symbolique ou joindre là-dedans Rwanda, Comores, Haïti, Philippines, Kiribati, Cap Vert et la Trier. Tant qu'on a Cap Vert, bien banque en portugais, loi en portugais, mais on ka compter sous doit tout combien monde qui parlait portugais. Tout le monde c'est créole, yo parle. N'a fait affaire pas nous. Bam dit nous. Gen UNESCO qui c'est branche des Nations Unies qui gère question éducation, science avec culture. En 1959, spécialistes en langue yo réuni. Yo dit l'état bon pour yo adopter plusieurs langues dans enseignement timoun yo. Et a commencé avec langue maternelle dans première année. Yo façon pour bien mener apprentissage yo. Yo vini a tout avantage enseignement dans langue maternelle gagné. Yo dit premièrement moun n'a bay pi bon résultat. Deuxièmement, ça permet parents ap ka communiquer ak ti moun nan, l'ap capable accompagner nan montrer le leçon. Troisièmement, yo di ou ti moun ki l'école nan zone reculée yo, ki pa gen pratique langue yo di ki officiel et li pa jam tande a parler nan zone nan. L'ap gen plus chance pour rive loin l'école nan éviter le doublé. Quatrièmement, yo di ou commencer apprendre yon ti moun nan langue maternelle li travail capacité réflexion parce que il commencer ak yon base qui permet li comprendre notion yo. Et gen de pays vraiment, yo gen plusieurs langues. Mais yo j'ai une question ça. Yo mete yo d'accord sur question enseignement nan Canada. Gen français, gen anglais. Nan charte canadienne des droits et de liberté, li di fami, tout canadien, première langue li apprendre, li comprendre nan ap langue pou li instruire là-dedans. Pour pays Belgique, yo parle plusieurs langues, français, allemand, néerlandais. En 1963, loi sorti côté yo di langue enseignement, c'est néerlandais nan région parle néerlandais, français nan région parle français,
allemand dans la région où vous parlez allemand. Dans Luxembourg, vous jouez une bonne langue toujours français, allemand, luxembourgeois. C'est même logique là. Vous commencez si vous avec la langue maternelle ou bien la langue nationale et puis vous parlez entamé dans l'autre classe, l'autre langue, vous avez la langue secondaire. Pour question multilingue dans l'éducation, yo di ou ki important en pile dans monde là en pile pays intégrer ça. Mais faut que moi dis nous dans cap Haïti, té toujours un gros débat qu'a fait pour enseignement ça commencer dans langue maternelle pays a. Mais yo pas abouti. En 1898, le grand Georges Sylvé té déclaré jou créole jeune place li en dans l'école primaire dans pays d'Haïti et bien comme si nous voulait problème organiser l'école pour masse là à moitié résoudre. Dans l'année 1940, nous pral joindre Christian Beaulieu qui pral parmi premier monde qui pral réclamer créole pour enseignement dans le pays d'Haïti. En 1947 même, nous pral joindre Charles Fernand Pressoir qui pral entamer une question académie créole. Mais projet a pas abouti. Rêve académie ça pral réel vrai, ça gagne 10 l'année côté Haïti gagne académie créole haïtien. En 1956 même, nous pral joindre la Matinière Honora qui pral gagner institut de langue créole pour te pousser langue créole là. Mais j'aime dire nous projet a été campé. Nous vient en 1979. Joseph Claude Bernard pral monter ministre éducation nationale et ak citoyen ça pral gen yon réforme mauvais qui pral annoncer dans système éducatif la. Et c'est là pour première fois ak yon loi yo pral di langue créole ka langue enseignement côte à côte ak langue français. Et en 1982, dans un décret qui pral sorti pour suivre loi ça, yo pral di yo reconnaît créole là c'est langue enseignement pendant l'école fondamentale yo bi français a langue enseignement tout à partir 6e année fondamentale. Bel projet fait. Nous avons l'état déjà. Vous pas mettre moyen pour faire respecter l'ordre dans toute l'école, pour faire livio dans la langue créole, vous pas mettre l'argent pour continuer de travailler sur la langue créole là. Et là en 1987, tout bagaille pral camper projet Bernard Bouelwil. Il y a un gros problème, une gros barrière en face enseignement en créole ça, il était production pour enseigner dans langue, faut que langue ça gagne assez travail qui fait là-dedans, faut que produit dans langue là. Bon, manque gagne de documents dans langue créole. Bon, n'a tant quelques projets pour nous travailler sur ça. Malgré qu'il y a quelques éditions, tant que c'est toi édition, édition Zimès, Henri Deschamps qui gagne de travail ou fait de livre sorti qui dans système là. Même m'a dit nous ça, il est important pour nous. Il était certain c'est politique publique qu'il y a enseignement qui a bay résultat dans sens ça jusqu'à institution de manière isolée pas qu'à faire aboutir à objectif nous besoin dans question enseignement en créole ça et il y a pile monde rêve yo c'est ouais éducation à fait en créole mais faut moi dire nous tout c'est pas choisi créole là comme langue enseignement qui pourra le faire système éducatif là li bay résultat non créole là ca permet tout faire intégration puis bien mais faut que système éducatif là bon pour le cabay bon produit et n'a pas qu'à faire vulgarisation démarche là c'est pour permettre tout comprendre c'est pour baou connaissance et bien grande langue qu'il y a nous toutes et tout le monde comprendre lui même s'il t'a l'école il pas à l'école lycée créole et bien ces outils qui puis adapté pour initier un monde n'importe niveau sous route la connaissance ou qu'à produire connaissance en créole ou qu'à baï monde compétence en créole m'a dit nous bien bonnet l'école classique dès que t'en fait une remarque. Ce n'est pas ça qu'on a récité, qu'on a utilisé, mais plutôt ça qu'on a compris. Et c'est parce que qu'on a compris une petite crasse qui fait qu'on a partagé ensemble avec nous. Peace.